Si jamais t'aimes pas trop ta cabane, tu sais, on peut échanger, hein, nous deux, tu sais. Non, non, je préfère la mienne. Oh, Gary, commence pas à gratter là, je te sens. Et oui, c'est pas ce gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie comme d'habitude poto. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense vraiment que la vidéo sera vraiment géniale. Et si toi tu me découvres grâce à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est vraiment important pour qu'on puisse atteindre les 440 000 abonnés. Donc voilà, si tu me découvres, appuie sur le gros bouton s'abonner et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est parti les amis, du coup dans cet épisode ce qu'on va faire c'est que je pense que nous allons aller construire la cabane de mon fils Billy. Du coup voilà, si vous voulez qu'on construise sa cabane durant cet épisode, je vous demanderai un objectif de 15 000 pouces bleus. Voilà, c'est à 15 000 pouces bleus à cette vidéo je construirai la cabane de ma fille Eva avec mon petit frère Gary et Billy. Du coup voilà, ça pourrait être ultra cool. Du coup voilà, tu mets ton petit like de rien du tout qui fait plaisir. Et c'est parti les amis, on va aller chercher mon fils, du coup, je ne sais pas, il est où. Il doit se trouver dans le jardin, je pense. Il doit se trouver dans le jardin parce que, bon, aujourd'hui, je l'avais prévenu que nous allons aller construire sa cabane. Nous allons voir qu'est-ce qu'il fait. Ah, bah, le voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le petit Billy, là? Oh! Ah, bah... Oh non! Ma cabane! Mais. C'est ma cabane! Oh non, mais Billy, tu pleures! Oui! Mais pourquoi tu pleures, Billy? Parce qu'on m'a détruit ma cabane! Moi, je veux ma cabane! Je l'aimais bien! Ouais, c'est vrai que. Bon, t'avais une assez chouette cabane! Tu sais que c'est Gary qui l'avait cassé ta cabane, Billy! Ouais, j'ai envie de casser sa cabane! Non, tu vas pas casser sa cabane, Billy! On va le laisser tranquille! Bon, les amis, regardez, Billy a l'air d'avoir oublié que nous allons aller construire sa cabane aujourd'hui! Regardez-le pleurer comme un gros bébé! Pour une cabane, il pleure comme un fou. Bon, les amis, on va le rendre, on va lui faire plaisir. On va lui construire sa cabane, d'accord? Mais avant d'aller construire sa cabane, je vais aller voir Gary parce que quand même, faut se venger de lui. Parce qu'il a quand même cassé la cabane de mon fils, les potes, hein. Papa, j'ai envie de jouer à Minecraft avec mes youtubeurs préférés ou alors à GTA 5. Mais mon PC n'est pas assez puissant. Timothée? Comment ça, il est pas assez puissant ton PC? Mais je sais pas, papa, à chaque fois que je télécharge un jeu, tout le temps il bug, il fait que de bugger, papa. Achète-moi, s'il te plaît, un nouveau PC, s'il te plaît. Oh, mais Timothée, tu sais très bien que j'ai pas assez d'argent pour t'acheter un nouveau PC. À Noël, t'en auras un, d'accord? Vas-y, papa, tout le temps Noël, tout le temps il faut attendre. Vas-y, c'est bon, moi je me casse. Vas-y, c'est bon, moi ça me saoule, vas-y. Il y a plein d'abonnés qui ont ce genre de problème. Ils veulent jouer à des nouveaux jeux mais n'ont pas de console ou alors des PC très peu puissants. Eh ben moi les amis, je vous ai trouvé la solution pour jouer à GTA V même sur téléphone. Je vais vous présenter Boosteroid. Boosteroid est un site qui permet de jouer à n'importe quel jeu que tu veux. À GTA V, Call of Duty, Fortnite. Grâce à ce site, tu peux jouer à n'importe quel jeu sans bugger. Genre hier, j'ai joué à GTA V sur téléphone. Sans avoir besoin de faire tourner le jeu avec un PC ultra puissant. Bon les amis, c'est parti, voilà, j'ai écrit Boosteroid sur Google et c'est parti, go. Oh my god. Oh là là, l'animation trop stylée. En gros, ils ont plein de serveurs et ces serveurs vont faire tourner le jeu à votre place. En gros, vous, ce qu'il vous faut, c'est seulement une bonne connexion internet pour pouvoir avoir l'image du jeu sur votre téléphone ou sur votre PC, tout simplement. Du coup, les amis, pour se créer un compte, ça vous prend 2 secondes, hein. Bien évidemment, je vais m'en créer un. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un jeu à 60€ ou alors vous achetez un bon PC à 1600€, eh bah, Boosteroid va tout vous faire à votre place. Regardez tout le choix des jeux qu'on peut avoir. Ouais, il y a vraiment tous les jeux qui existent, quoi. C'est incroyable, incroyable. Et bah, dites-vous que sur ce site, en payant moins de 10€ par mois, vous pouvez jouer à tous vos jeux préférés. Et le pack normal, le pack pro, le pack ultimate, celui-là, il est recommandé. Je vous conseille fortement d'aller sur ce site, de vous prendre un abonnement et de télécharger Minecraft. Comme ça, vous pourrez même jouer avec moi à partir de votre téléphone. Le lien du site se trouvera en description, les amis, c'est vraiment important, ce sera le premier lien, du coup allez tous cliquer dessus et on se retrouvera en jeu. Allez, bon visionnage.
oublié. Coucou Gary. Ah, coucou grand frère, comment ça va? Ça va et toi Gary? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger une pizza, sauf que le souci c'est que elle est, bah, elle est un peu froide, elle est à 0 degré là, la pizza. Ah oui, ta pizza elle est à 0 degré, bah oui. En même temps il fait pas si chaud que ça dehors, pourquoi tu manges à l'extérieur Gary déjà? Parce qu'il y a un joli soleil, il y a des oiseaux, il y a un château, il y a une tour, il y a des maisons, et il y a des arbres, il y a des oiseaux, oui. Ok, d'accord. Bon, en gros, là, ta pizza, elle est froide, c'est ça? C'est ça. Mais du coup, tu peux aller me la réchauffer ou pas, grand frère, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai un peu la flemme de me lever. Tu vois ce que j'ai dit? Ouais, d'accord, ça va. Bah, vas-y, je veux bien aller te la réchauffer, ta pizza, d'accord? Ah, oui, merci, grand frère. Vas-y, ça marche. J'arrive tout de suite, Gary. Bon, les potes, bon, Gary a besoin de nous. Il veut qu'on aille réchauffer sa pizza. Mais les amis, j'ai comme une petite idée. J'ai comme envie de troller un petit peu mon petit frère Gary en lui mettant quelques petits piments dans sa pizza. Attendez, on va mettre la pizza ici. Est-ce que j'ai des piments? Ah oui, oh, regardez les amis, ça tombe super bien. Ma femme en a acheté avant-hier. Oh, regardez les piments de fou que j'ai. Attendez, je vais les placer dans la pizza. Oh my god, la pizza va piquer. Elle va piquer à fond. Oh, il va péter un câble la Gary s'il mange la pizza. Bon, on va quand même aller la réchauffer un petit peu dans le four. Comme ça, il pourra la manger au moins chaude. Oula, alors attendez comment... Qu'est-ce que tu fais papa? Ah, coucou Billy, en fait je suis en train de réchauffer la pizza à Gary. Ah d'accord, du coup, ok. Et j'ai mis des piments dans sa pizza. Oui. Oh. J'espère qu'il va se brûler. Bah oui, je pense qu'il va se brûler, hein, parce que bon, c'est quand même des piments assez forts. Vas-y, c'est parti, vas-y, viens. Suis-moi, on va voir sa réaction. Ouais. Oh. Les amis, si vous voulez plus de pranks de ce genre sur mon petit frère, mettez tous un gros pouce bleu, dites-le moi dans les commentaires, les amis, c'est vraiment important. On va voir comment il va réagir, c'est parti. Gary, Gary! Oui, grand frère. Oui, c'est bon, j'ai ta pizza, elle est super chaude, la voilà. Ah, ah oui, elle est très, très, très jolie. Attends, j'ai mangé. Wesh! What, Gary? Mais t'es où, Gary? Ah, ça brûle. Ah. What, mais Gary? Mais regarde-toi, ton visage, il est devenu tout rouge. Mais c'est parce que ça brûle, grand frère. Oh non! Mais c'est bon, c'était une blague, Gary, c'était une blague. Attends, 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 viens boire du lait, bois du lait, comme ça, ça va passer vite, vite, vite. Tiens, voilà, je te passe le seau de lait. Tiens, tiens, Gary. Voilà, bois ce lait, normalement, tu iras mieux juste après avoir bu. Oh, oh là là. Ah, ça va mieux? C'est pas gentil, ça, grand frère. Venger. Mais non, Gary, ça va, c'était une petite blague en début de vidéo, voilà. Oui, mais c'est pas très fair-play en début de vidéo, grand frère. Ouais, c'est vrai que je t'ai eu par surprise. Les amis, voilà, si à 15 000 pouces bleus à cette vidéo, je referai automatiquement un autre prank de ce genre à Gary. C'était vraiment incroyable. T'as vu Billy sa tête? Ah oui, papa. C'est bien fait pour lui. Ah là là, Gary, voilà, ça t'apprendra de casser les cabanes des autres. Mais c'est... Mais tu sais, y a pas grand-chose à faire, du coup, moi, je trouve des trucs à faire. Je casse des cabanes, je casse des maisons, ouais, je casse des têtes. Bon, ben, faudra quand même se calmer sur les cassages, Gary, hein, quand même. Bon, les enfants, venez voir. Je vais vous expliquer d'un truc et je pense que ça va vous plaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Surtout pour toi, Billy. Ah oui, quoi? Et si jamais ça nous plaît pas, grand frère, on fait quoi? Ouais, ça... Ouais, on fait quoi? Bah... On casse ta maison? Non, ça va vous plaire, les enfants, ça va vous plaire. Vous avez pas le choix. Aujourd'hui, les enfants, ce qu'on va faire, c'est que nous allons construire la nouvelle cabane à Billy. Ouais. Ok, vous êtes prêts? Oui. Oui, oui, et donc après, je pourrais encore la détruire. Non, ouais. Gary. Non. T'as intérêt à pas la détruire, attention. Oh non, regarde. Ah, mais Billy, c'était une blague. Oh, c'est bon. Ah, d'accord. Oh là là, bon. Allez. Les enfants, allez vous habiller en portugais, là. Allez, hop. Allez, je veux d'ici, dans 5 secondes, je veux vous voir devant moi, ok? Allez, allez vous habiller en portugais. Allez, les poches comptent jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4... 5. J'arrive, grand frère. Ah, ok, regardez déjà, il y a Billy qui arrive. Ah, c'est bon, t'as mis ton casque et ton truc de chantier, oui. Super.
Nickel, et il est où Gary? Le petit Gary? Je suis là, Gary, toi aussi t'as mis tes petits vêtements? Oui. Nickel, super, du coup c'est parti. Bah je pense que nous allons construire la cabane dans l'arbre là, qui se trouve juste ici. Ah okay, d'accord. Vas-y, let's go. Okay. Ah oui, aussi lors du dernier épisode, il y avait un petit nid de poussin qui était tombé. D'ailleurs, ils sont où les poussins là? Bah j'ai été mangé, grand frère. Ah oui, la fine omelette. C'était très bon. Et j'ai même partagé avec Billy, avec Joe, oui, avec tout le monde. Attends, t'as mangé les poussins? T'es sérieux, Gary? C'est quoi cette histoire? Bah, ils étaient tout petits, ils étaient mignons et ça sentait bon. Oh non, mais c'était horrible. Oh non, les amis, Gary a mangé les bébés poussins qui étaient là. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'en retrouver d'autres, d'accord? Bon, c'est parti les enfants, on va passer à la construction de la cabane, ok? Ok. Vas-y, c'est parti. On fait quoi là? Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par placer des échelles pour qu'on puisse monter en haut, ok? Nickel. Ok. Ensuite, on va creuser un petit peu. Oh, regarde. Déjà, à l'intérieur de l'arbre, on peut se placer à l'intérieur. Montez les enfants, venez voir. Oh oui, c'est chouette ici. Ouais, c'est un petit peu chouette. Vas-y, par contre, Billy, tu veux ta cabane en quelle matière? En bois? En quartz? En quartz. En quartz? En quartz, oui, papa. Ok, ça marche. Bah, let's go. Comme ça, elle est résistante. Vas-y, ok, let's go, on prend du quartz. Let's go, les amis. En tout cas, je compte sur vous, les petits potes, pour nous noter la cabane de Billy dans les commentaires sur 10. Voilà. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien voir comment sa cabane va devenir à la fin, les potes, parce que je pense qu'elle sera ultra stylée. C'est parti, du coup. Là, on a déjà fait le sol un petit peu de la cabane, c'est pas... Ah, je me suis trompé de bloc, grand frère. Bah oui, je vois ça, Gary, toi, il te faut des lunettes, je crois, hein. Je crois qu'il te faut des lunettes. Alors, attends. Ça, c'est grand frère. Ok, hop là, on va faire les petites fenêtres. Let's go, regardez comment ça va rendre ultra stylé, je le sens. Nickel. Petite fenêtre ici, une petite fenêtre par là aussi, ça peut être cool, ça peut être stylé. Nickel, hop là. Alors, attends, on va faire ça là, comme ça. Hop, hop là. Nickel. Pour l'instant, Billy, t'en penses quoi de ta cabane, dis-moi? J'adore, papa. Ah, t'adores, ça va? Ok, ça va. Oui. Bon, les amis, je pense que Eva, si elle voit sa cabane, elle sera jalouse, hein. Elle faudra pas lui montrer à Eva, d'accord? Non. Ouais, je compte sur vous, hein. Je compte sur vous, les enfants. Bon, là, pour l'instant, la cabane, ça va. Elle commence à s'en sortir. Il y a déjà les fenêtres. Par contre, tu veux qu'on laisse tout ça en herbe ou pas? Enfin, en arbre ou pas? Non, papa. Tu veux qu'on mette quelle matière? D'accord, on va faire un mur, alors. Du bois, papa. On met du bois? Du bois, oui. Ok, ça marche. Bah, vas-y, Gary, on met du bois, d'accord? Bon, salut. Soit... Ah, oui, là. Bonsoir, encore. C'est plutôt stylé, non? T'en penses quoi, Gary? Bah, ah oui, non, en quartz. J'aime bien, oui. Ouais, les quartz, c'est stylé. Attends, je vais essayer de faire des petits trucs pour améliorer le truc. C'est plutôt stylé, là, pour l'instant. Regardez. Ouais, ça je trouve que ça rajoute un petit truc, hein. Je trouve que ça rajoute un petit truc. Nickel. Ah oui, c'est super beau, papa. C'est joli pour les murs, grand frère. Eh ouais. Du coup, les amis, je suis sûr que Gary, là, il va tomber jaloux il va devenir jaloux de la cabane de Billy, là, c'est sûr. Hein. C'est clairement ça. Hein. Hop là. Nickel. Ouais, pour l'instant, la cabane, elle est stylée. Ouh là là. Hey, Billy. Quoi? Si jamais t'aimes pas trop ta cabane, tu sais, on peut échanger, hein, tu sais. Non, je préfère la mienne. Oh, Gary, commence pas à gratter, là, je te sens venir, là, hein. Non, mais je suis comme ouais. Ça, après ouais, qu'est-ce bien veut, sûr, quoi, ouais, c'est ça, Gary, ouais, c'est ça. Bon, les amis, j'ai comme l'impression que Gary est un petit peu jaloux de sa cabane, hein. C'est un petit peu ça. Alors, attendez, je vais continuer les contours de fenêtres, nickel. Franchement, les amis, le chantier se déroule plutôt bien. Regardez, mes petits portugais travaillent super bien. On avance plutôt bien sur le chantier. Regardez ça, la cabane commence à prendre forme, les amis, hein. C'est plutôt stylé. Quand on rentre dans la cabane de Billy, regardez ça. Waouh! Ok, du coup, je pense qu'ici, on va mettre une petite télé. Voilà, je sais pas pour vous, une petite télé. Oh, regardez la petite terrasse. Waouh! Oui! Elle est stylée cette terrasse, dites-moi. Ah bah oui. Ah bah oui, elle est trop bien. Attendez, j'ai même presque envie de mettre, comme dans la cabane de Gary, un sol en vitre. Vous en pensez quoi, vous? Oula, ouais, attention. Bah c'est un petit peu copié, moi, je trouve. Ouais, c'est un petit peu copié, mais bon, je trouve ça stylé. Attends. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave quand même, hein. Vous avez à peu près la même cabane, hein, entre autres. Donc voilà. On va juste casser quand même les petits feuillages qui sont en dessous, comme ça. Ça fait un petit truc assez stylé. Voilà. Nickel, regardez ça, les amis. Quand on vient dans sa terrasse, on a presque limite l'impression de tomber dans le sol, quoi. C'est trop stylé, regardez, je trouve ça trop stylé. Nickel, voili voilou. Alors attendez, hop. Nickel, voilà. Franchement, c'était plutôt stylé. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Attendez, il faut passer à l'intérieur. Moi j'ai une idée, je fais une piscine.
Tu veux une piscine? C'est trop bien les piscines. Oui, hey, sur le toit, Billy, papa. Je te propose de la faire ici, dans le petit coin. Ouais, là. Le coin qui est ici, ouais, carrément, ouais. Tu vas faire ta petite piscine ici, ouais. C'est plutôt stylé, ouais. D'accord. Et le coin salon, on fait un coin salon où, Gary, je pense? Je sais pas, c'est la cabane à Billy, du coup, c'est à Billy à décider. Ouais, bah vas-y, Billy, tu veux où ton petit juste coin salon? Juste ici, on met la TV ici, là. Ah ouais, comme ça, au bord de la piscine, on regarde la télé, c'est ça? Oh oui, trop stylé, vas-y, let's go. On va mettre une bonne télé avec une bonne chaîne télé. C'est bon les petits potes, voilà. Oh, vous avez rajouté un petit frigo, une petite lampe, c'est plutôt stylé ça. Ah oui, papa. Et du coup, pour la chaîne... Maintenant, je trouve qu'il faudrait peut-être rajouter des petites photos. Des petites photos, c'est toujours stylé. Vas-y, mets des photos si tu veux, Gary. Tu veux mettre quoi comme photo? Des photos de Billy. Vas-y, ça marche, on va voir les photos qu'il va mettre. Et hop là. Oh, waouh, ok, d'accord, stylé la photo. Ok, regardez les amis, il y a Gary qui a mis une cadre. Il y a un cadre, ou alors c'est Billy et Eva qui sont en train de rigoler, d'accord. Bon, la photo est un petit peu en mauvaise qualité, c'est un petit peu bizarre. C'est pas grave, c'est... Oh, celle-là, ça va. Ok, celle-là, elle est stylée aussi. Et t'en as une petite troisième, peut-être? Oui, c'est pas tout à fait pour maintenant. C'est parce quoi? Que c'est l'anniversaire de quelqu'un, mais je sais pas, j'ai pas vu la... Mais c'est l'anniversaire de Billy. Ah, c'est la photo d'anniversaire. C'était une photo souvenir qu'on avait pris, c'est vrai. J'étais pas là moi à ce moment là. Ah oui, c'est vrai que Billy t'avait pas invité à son anniversaire, Gary. C'est vrai qu'il t'avait pas invité. Bon, voilà, en tout cas, par contre, la télé, là, elle est un petit peu dans le mur, là, hein, c'est un petit peu... Les amis, regardez ça pour l'instant, regardez, je pense qu'on a fini la cabane, là, les enfants, vous en pensez quoi? Ouais, c'est trop beau. Ah oui, c'est trop bien, elle est trop belle. Par contre, maintenant, tu peux nous laisser, on veut jouer à la Switch, allez, hop. Quoi? Comment ça? Mais comment ça? Oh, waouh, vous avez mis la Switch, vous allez jouer à Super Mario? Ouais, Mario, papa. C'est le meilleur jeu. D'accord, ok. Grand frère, je viens de penser à un truc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on pourrait pas faire un passage de ma cabane à la cabane de Billy? Oh, ah ouais, Gary, ah ouais. Et vas-y, tu sais quoi? À combien de pouces bleus on fait ça, Gary? À 13 000. 13 000, oui. Ok, ça marche, les amis. Si à 13 000 pouces bleus à cette vidéo, on fera un passage secret allant de la cabane à Gary à la cabane de Billy, les amis. Du coup, voilà, si vous voulez voir ce passage secret, ultra secret, mettez un pouce bleu et dites-le-moi dans les commentaires. Bah vas-y, les enfants, moi, je vais vous laisser jouer à la Switch tranquillement, du coup. Hein. Oui. D'accord, oui. Vas-y, bon, on se dit à tout à l'heure. Allez. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les enfants. Vas-y, ciao. Du coup, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Faites-le moi savoir en me mettant un gros commentaire. Et j'aimerais aussi remercier Tan Officiel et Alexandre d'avoir participé à cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Souka. Ciao, les potes.